Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode de la carte de Flatout 14 Infinity. Comme d'hab, on y va direct, démarrer la course. Alors du coup voilà, j'ai terminé celui-là, 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 celui-là. On va s'attaquer à celui-là. 30 000 dollars pour le gagnant. Ah bah putain. 4 courses, première course, 4 tours. Cette course-là non plus je la connais pas. Avance toi. C'est quoi cette course? Ils mettent des nouvelles courses dans les All-Stars quoi, c'est n'importe quoi. Cette course-là me fait penser à une course de Mario Kart. Mais Mario Kart sur Nintendo 64. Je crois que c'est le... La course de Donkey Kong, je sais pas quoi. Ça va, elle est bien en fait. Ouais, ça fait trop penser à la course dans Mario Kart sur Nintendo 64. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart sur Nintendo 64, je pense que vous savez de quoi je parle. Merde. Je balle. Ah, il est bien, franchement. C'est peut-être la première fois que je la teste cette course, mais elle est bien, j'aime bien. Ouais, je suis pas scammé lui. Putain. Ah, faut que je fasse beaucoup de slam. Comme je sais pas si vous avez vu, mais les slams c'est quand on frappe pas très fort sur les autres. Et il faut que j'en fasse jusqu'à 100 pour avoir un trophée, du coup je sais pas combien je suis là.
Parce que normalement, je dois en avoir fait pas mal depuis le départ quand même. Il y a déjà un qui a explosé quoi. Oh merde, esquive. Il m'a esquivé, enculé. Ah, c'est puissant ce que j'ai vu. Oh. Il y a même des morts, pas des morts à explosion, mais des morts où, on va dire mon personnage vole du véhicule, sort du véhicule quand il y a un crash. J'en ai. Je sais plus j'en ai combien à faire, mais j'en ai quelques-uns à faire. Je crois que j'en ai une centaine aussi. Oh là, tu vas te calmer toi derrière. Comment il me colle lui là? Je vais à gauche. Vous avez pas m'enculer, c'est mort. Dégage-toi! Putain, il restait devant moi, il était passé! Bulldozer, mitrailleur artificier et meilleur casseur. Il restait plus que le tour plus rapide et j'avais tout. Hop, la neige qui tombe. Puissance. Grosse arme puissance. Oh douce. Oh, c'est quoi le carambolage ici là? Mais respawn connard, putain! C'est pas compliqué de respawn. Wesh, ils ont changé. J'allais dire wesh, ils ont changé. Non, 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 tombe pas. Ils ont changé le parcours. Bah non, en fait, je me suis, j'ai trop tourné à droite, en fait. Du boost. Voilà, donc j'ai assez. Je sais pas, il me reste combien à faire de slam. Parce que non, depuis le départ, j'en ai pas mal, j'en ai fait pas mal normalement. Enculé. Ah, il va me remettre là en plus.
Comment doubler dans un virage? Ouais, chat, putain. Quatrième, ça passe. Maître artificier, bulldozer. Dernière course. Oula, ouais, je vais où là? Oh. Wow. Je termine dans le top 3. Mais calmer, hein. Ok, ça va vous faire rebondir, on va comprendre. Faut que je double. Boum. Et le premier. Il a pas le premier. Je suis con, je suis vraiment abruti. Parce que je me suis bouffé. Allez, faut que je double, faut que je double, faut que je double. Non! Troisième. Je suis avec un premier ça. C'est débloquer un nouveau skin de voiture, skin
Gremlin DS4. Vous avez gagné du cash 30 000 dollars. Vous avez débloqué une nouvelle épreuve Survivor Factory Arena. Vous avez débloqué une nouvelle coupe All-Star Final Cup. Voilà. Il me reste plus que la coupe finale. Et qui fera ça au. Là, on est au 25e épisode que je ferai ça au dernier épisode. Et au prochain épisode, je ferai tous les survivants, tous les contre-la-montre. Tout ça sera au prochain. Et bien voilà les gens, c'est la fin de ce 25e épisode de la carte de Flat Out 4 Total Insanity. On s'approche de la fin tout doucement. Il reste plus que 2 épisodes après à tourner. Franchement, ça va. C'est allé très 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 vite. Ça allait très vite de ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, du soutien, ça fait toujours plaisir. Commentez pour me dire si vous kiffez toujours Let's Play ou pas. Partagez pour qu'un maximum de plusieurs personnes puissent me découvrir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.